Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19-20 Champagne-Ardenne. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité, l'invitation du 16e salon du livre et de la BD qui se déroule jusqu'à demain à Sapart au Tertre dans l'Aube. Un salon familial pour de belles rencontres à découvrir dans ce journal. Jouer avec les mots et prendre le temps de s'arrêter sur leur beauté, c'est l'invitation du Salon du Livre et de la BD de Sapart au Tertre. De la musique, de la lecture bien sûr et des rencontres avec des auteurs. C'est jusqu'à demain dans l'Aube. Nazim Belabdelouab et Jérémy Chantreau. Sorti en famille pour ce couple et ses deux enfants, venus déambuler dans les allées du Salon Sapart au Livre. Très vite, le plus grand, Lenny, est attiré par la BD. Il s'essaye à un atelier pour découvrir cet univers. En fait, il faut dessiner un mot, donc il faut représenter. Bah, par exemple, j'ai choisi le mot dessin et du coup, bah, c'est comme étape par étape. J'aime bien lire, j'aime bien écrire. Je lis pas trop de BD, je lis plus des mangas. J'aime bien le style de dessin, l'originalité, l'humour. Pendant que Lenny dessine, le reste de la famille vogue de stand en stand au gré de la curiosité de chacun. C'est leur première visite à ce salon du livre et de la BD. On découvre pas mal d'artistes qui sont finalement, il y a vraiment une interaction entre nous et les auteurs parce qu'ils échangent beaucoup volontiers avec des démonstrations, vraiment, on découvre leur univers et en plus avec les commentaires qu'ils rajoutent, etc., les petites anecdotes qui font plaisir aux enfants, par exemple mon fils aîné qui est en train de dessiner à côté, et pour nous c'est quelque chose de formidable. Cette année, côté livre, c'est Isabelle Kaufmann qui est l'invitée d'honneur. L'auteur est venu présenter son dernier ouvrage, Les corps fragiles. Elle apprécie de pouvoir échanger avec ses lecteurs. Les gens sont venus pour parler, pour discuter. Et moi, je suis très contente qu'on puisse discuter de la vie des uns, des autres. Moi, j'aime poser à mes lecteurs ou aux gens qui viennent juste discuter, même s'ils ne prennent pas de livre, leur demander ce qu'ils font dans la vie, où ils habitent. Ils me parlent parfois de leurs enfants, ils me disent pour qui ils prennent le livre. Et je trouve que c'est la vie et un livre, c'est important de le faire vivre. Sapart au Livre se déroule sur 2 jours. L'an dernier, ce salon a attiré près de 3 400 visiteurs.